je dis, hein, ma copine. Ah, laisse-moi boire un peu. Cette fille-là, Kachi, qui vit dans notre pioule. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, je suis pas d'accord. Elle reste juste assise et elle bouffe pendant que nous, on va bosser. On bosse, elle bouffe, on bosse. Faut aussi qu'elle vienne ici pour boulonner avec nous. Allez, calme-toi. Ça, c'est rien. Cette fille vient du village, n'oublie pas. Hein, toi-même, comment tu avais commencé? C'était petit à petit, non? Elle va apprendre, calme-toi. Elle apprendra, ce n'est pas grand-chose. C'est pas affaire de village, ça. Je sais bien d'où elle vient, je sais qu'elle vient pas de Londres. Et je m'en tape. Écoute, hein, hors de question que l'on vienne ici taffer pendant qu'elle reste à la maison bouffée. Tu me clapes, tu ramènes rien sur la table, ne mange rien de la table. Ça va aller. Ah, tout ça à cause de la nourriture. Quand tu es venu du village, qu'est-ce que tu avais amené? Allez, va doucement avec elle. Elle va apprendre, ça va aller. Tu sais, les gens qui viennent du village directement, ils sont un peu bleus, hein. T'en fais pas, cette fille-là, elle est chaude. Tu ne vois pas ses cuisses? Elle est tibia. Elle est forte. On va l'entraîner. Gasman pour venir ici parce qu'il y a du boulot. Elle sera ici avec nous, t'en fais pas. La journée d'aujourd'hui, vraiment, apparemment, il n'y a personne. Regarde-moi celui-là qui est en train de venir. Il n'y a pas de marché aujourd'hui. Je suis fatiguée de regarder dans toutes les directions. Il n'y a personne qui vient. Lucie, dépêche-toi, non? Cours derrière le temps. Prends ça. Tu mets d'abord ça et je te donne la perruque après. Cette perruque, hein, c'est ça que tu vas porter. Ah ah, mais ce sont des vêtements d'enfant, c'est beaucoup trop court. Ma chérie, ça c'est ce qu'il te faut pour la sortie. Tu veux mettre quoi? Va t'échanger, arrête de nous faire passer du temps, il n'y a pas de temps. Allez, va t'échanger, partons. C'est les vêtements de ta mère que tu veux prendre. Je te dis. Mais va t'échanger, non, toi aussi. Qu'est-ce que tu attends? Ok. Oh, dépêche-toi. Cette fille est vraiment drôle, je te jure. Hein? Elle veut les vêtements de sa maman. Gagne le temps, fais vite. Ne me fais pas perdre mon temps. À l'action. La chambre d'hôtel, c'est pour faire quelque chose. Viens, on va commencer. Ok, doucement, doucement, monsieur, s'il vous plaît. D'abord, l'argent. Le prix? Ouais.
Le prix. Le prix. Viens, on commence. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis d'attendre. Attendre pour faire quoi? La chambre d'hôtel, c'est pour faire quelque chose. Ce n'est pas une salle d'attente. On n'attend pas ici, dans la chambre d'hôtel. Écoute, je vais t'apprendre quelque chose. Tu sais, dans notre business, tu ne peux pas dépendre seulement de l'argent que les hommes te donnent. Tu dois aussi le voler, particulièrement quand ils dorment, ou encore s'ils sont drogués. Bien en jouir. D'où viens-tu? Sainte, où as-tu dormi la nuit dernière? Sainte, où as-tu dormi la nuit dernière? Père, calme-toi, je peux l'expliquer. Oui, chérie. Explique-nous. Commence à parler avant que je ne me lève. J'étais allé à la célébration de l'anniversaire de mon ami. Mais pourquoi est-ce que tu m'attaques? Je suis déjà grand et je peux faire quoi que je veux. Sainte, oh mon Dieu. Sainte, tu pues l'alcool. Jésus-Christ. Sainte, tu as commencé à prendre de l'alcool? Fils de diacre,
de l'église? Sainte, sais-tu la position que j'occupe dans les diocèses anglicans? J'occupe l'un des plus importants postes dans l'église. Sainte, sais-tu ce que les gens diront quand ils sauront que mon fils prend de l'alcool? Je ne suis pas surpris, parce que c'est tout ce qui te concerne. Tu es un diacre dans l'église, ta position dans l'église, c'est tout ce qui te concerne. Quand est-ce que le bonheur de ton fils te concerne-t-il? Quand je te pose la question? Chérie, doucement, s'il te plaît. Je vais essayer de parler avec lui. Hein? Je veux parler avec lui, s'il te plaît. Oh, Sainte, tu es maintenant un homme. Un homme dans ma propre maison, sous mon toit, qui mange ma nourriture. Oh non, ça ne va pas se passer. Si tu ne fais pas attention, je vais te ruiner. Oui, je vais te ruiner. Aucun de mes enfants ne déviera. Madame, parle à ton fils. Parle à ton fils avant que je fasse ce que je regretterai. Oh oui, je vais parler avec lui. Il faut lui parler. Parle à ton fils. Parle à ton fils. C'est ce que j'ai toujours entendu. Allez, toi, viens. Parle à ton fils. Je ne m'assois pas, mère, quand on dit sa bêtise. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va cesser? Tu as causé tout ça. Je t'ai déjà dit en maintes reprises que si tu veux passer une nuit dehors, juste fais-le-moi savoir, je saurai comment gérer ça. Hein? Maintenant, regarde-toi. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh mon Dieu! Ce n'est que je disais de ce que les gens diront, ce que les gens diront, ce que les gens diront. Quand est-ce que vous allez penser à ce que je dis, comment je me sens, ce qui me rend heureux? Ça me préoccupe? J'ai 32 ans. Je ne suis plus un garçon. Je ne suis plus un adolescent. Je suis un adulte. Laissez-moi faire ce que je veux. Ce que les gens diront, ce que les gens diront, ce que les gens diront. C'est tout ce qui vous préoccupe. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Pourquoi tu prends les médicaments? Je sais pas trop ce que j'ai, je me sens pas bien. Depuis quand? Je suis pas sûre, de 2 à 3 jours. Est-ce que tu étais allée à l'hôpital? Hein? Laisse-moi voir. Mais pourquoi tu gaspilles les médicaments? Tu n'es même pas encore allée à l'hôpital, mais tu veux déjà prendre ça. C'est juste contre la malaria. Attends, je vais appeler Lucie. Ce n'est rien de sérieux. Allez, calme-toi, s'il te plaît. C'est qu'une petite malaria, Marvin. Ça va aller. Allô? Allô, Lucie. Cassie ne se sent pas bien. On doit l'amener à l'hôpital. Oui, elle fait de la fièvre. Tu es déjà à la fin? Ok, dépêche-toi. Dépêche-toi, s'il te plaît. À tantôt. T'inquiète, ma chérie, hein, ça va aller. Relaxe-toi seulement. Il faut éviter les automédications, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu attends? Il faut partir. Ah bah, faut partir. Tout ce que tu as trouvé de bon à faire, c'est que de tomber enceinte. Lucie, trouvons une solution. Elle ne doit pas partir de la maison de cette façon. S'il te plaît. C'est comme si tu étais sourde, hein? Ou bien tu n'as pas entendu quand elle a dit qu'elle refuse d'avorter. Hé, hey, toi, tu vois ces larmes de crocodile? Elles ne vont t'emmener nulle part. Tu m'as entendu? Les filles qui n'aiment pas pleurer sont celles qui veulent bosser et non pas qui se mettent en scène par un étranger.
Ah ben, faut sortir de ma maison, alors. Je suis désolée. Ce n'était pas fait exprès. Tu es bête. La folie t'embête. Pardon, va chercher qui t'a engrossé. Fais-toi avorter, tu veux pas. Va travailler, tu veux pas. C'est quoi ton problème? Allez, sors de chez moi, tout de suite. Hors de ma maison. Lucie, pourquoi tu n'as pas de sympathie? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et pourquoi tu es sans cœur? Pardon, dégage avec ta sympathie. Je m'en tape. La même fille qui t'a amenée chez elle à la maison, le jour où tu étais droguée. Lucie! Lucie! Hein? Donc, quand elle m'avait ramenée à la maison quand j'étais sous, ça lui a donné le ticket pour venir se reproduire dans ma maison. Bon boulot. Vierge Marie, je veux pas faire du babysitting, je veux pas de bébé chez moi. Ce n'est pas juste. Ouais, Lucie, c'est ça, ce n'est pas juste. Ok. Celui-là, quand je parlais, faut entendre. C'est l'argent qui entre ici, pas les grossesses. C'est clair. Regardez-moi ces embrouilles. Je suis venue te prendre. Lève-toi, on va à la maison. Non. Lucie ne me laissera pas entrer. Qui t'a dit? Cette maison est pour nous trois. Ce n'est pas sa propre maison. On ne doit pas le laisser faire. Lève-toi, on va à la maison. On rentre. Bibi, Bibi, non. Non, non. Regarde, je ne veux pas créer des problèmes entre toi et Lucie. Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu préfères souffrir? Je suis là pour t'aider. Tu me racontes des sottises. Ah, lève-toi. C'est quoi tout ça? C'est pas un plaisir à rester ici ou quoi? Ah, lève-toi! On y va! Ah bah! Ma copine, qu'est-ce que ça veut dire? Hé, toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Mon ami, calme-toi. Trouvons la solution à ça. Résoudre quoi? Il n'y a rien à résoudre. Mon ami, cette maison n'est pas seulement à toi, oh. C'est à nous trois, hein? Tu n'as pas le droit de parler n'importe comment, hein? Alors calme-toi. Ah, ok, tu veux jouer comme ah, ça non, maintenant? Ah non, mais balataire. C'est comme ça maintenant. Apaise-toi, non? Laisse tomber. Rappelle-toi même une fois le jour où elle t'a ramené à la maison ici. Quand tu t'es droguée, hein? Laisse tomber. La vie nous réserve beaucoup de surprises, ma chérie. Hein? Aie pitié. Laisse-la, s'il te plaît. Je t'ai supplié, Lucie. Hein? Laisse tomber. Lucie. Je t'en prie. Écoute, je t'en supplie. Je suis vraiment désolée. Essaie juste de me donner un peu de temps. Pour épargner, et je te promets, je vais partir calmement. Pardon, juste un peu de temps. Laisse-moi, tu as gagné, non? Ça c'est mon ami. Allez, parle, non? Une bonne fille. Merci, hein? Merci. Pourquoi
Pourquoi mon père me traite-t-il toujours comme un enfant? Pourquoi ne veut-il pas comprendre que je suis grand maintenant? Sainte-ci, sainte-ça. Ne sais-tu pas que je suis ci? Ne sais-tu pas que je suis ça? Mais il est toujours mon père. Je dois toujours supplier pour avoir ce que je veux. Peut-être je vais aller demander pardon. Ah, j'ai le bon sens. Sainte, retourne à ton père. Présente-lui tes excuses. Gagne sa confiance, son amour. Travaille pour lui et rassemble de l'argent pour lancer ta carrière musicale. C'est la bonne manière, Sainte. Va présenter tes excuses à ton père. Ah, bonne idée. Qui peut être celui-là? Je crois que c'est Sainte qui est là. Salut père. Salut fils. Mmh. Comment est-ce que c'était travail, bien, Dieu merci. Bienvenue fils. Bienvenue. Merci père. Comment tu as géré le cas entre Monsieur Ikem et le bureau des directeurs? Nous l'avons géré en faveur de nos partenaires et puis créer une atmosphère pour une entreprise plus amicale. Je vois. Tu as raison et ça c'est bien. J'espère que ça marchera pour nous et pour eux aussi. Bien sûr, je pousse dur. Hein? D'accord, je vais aller me rafraîchir, je vous verrai après. Tu sais quoi? J'ai fait pour toi ton repas favori. N'es-tu pas la mère la meilleure dans le monde? Mmh. D'accord, père, on se voit. D'accord, fiston. D'accord, père, à bientôt. Tu vois ça? Que lui est-il arrivé? Je suis surpris qu'il ait soudainement changé d'attitude. Mmh. Tu sais quoi? Mon fils est redevenu une bonne personne. Il a juste besoin de temps pour faire mieux. Tu as fait un bon travail alors. Parce que je ne peux pas plus être fier de lui que je ne le suis maintenant. Je vois que tu es content maintenant. Je le suis. Ça, c'est sirote bien. Ta boisson. Tu dois me dire qui t'a mis enceinte. C'est qui le père de cet enfant? Ah, laisse-la, non, c'est quoi encore? Elle ne peut pas rester ici bouffer notre argent comme elle veut pendant que le père de l'enfant est je ne sais où à son jaillet. Ok, je vais parler. Le papa, son nom c'est Sainte. Hein? Jésus! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bébé! Hein? Dis-moi en plus! Lucie, on doit l'aider, non? Allez, viens, on dirait qu'elle est déjà au travail. Allez, Lucie, viens, arrête ce que tu es en train de faire, non? Elle est déjà au travail. Pardon, je vais venir accoucher ici. Tu es capable d'accoucher ici, toi. Attends. Oh, non, c'est pas moi le père. Lucie, ouvre la porte. Lentement. Essaie de marcher. Oh, c'est bébé. Lucie. Bébé. Allons-y, au revoir. Désolée. Essaie de faire le pas. Allez, lentement. Désolée, hein. Désolée.
Tati, si on va rentrer à la maison, regarde l'environnement dans lequel tu es. Regarde ton bébé. C'est le genre de vie que tu veux pour lui. Tu ne peux pas rester ici. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je suis née pour souffrir. Non, arrête, ne dis pas ça. Personne n'est né pour souffrir. Écoute, il y a tellement beaucoup de choses à faire. Laisse d'abord le bébé ou ça tu commences à vendre le jean, comme ça tu vas prendre soin de lui. Je crois bien que son père est là en train de profiter de la vie et toi tu es là en train de souffrir. Tu peux l'amener chez son père. Non, ma soeur, je ne peux pas. Ils vont me chasser le bébé et moi. Je suis personne. Tu ne l'as jamais essayé. Est-ce que tu as déjà fait ça? Peut-être que la chance va te sourire cette fois-ci. Qui sait? S'il te plaît, tu ne peux pas rester ici, hein? Regarde le bébé. Allez, donne-le-moi. Oh, beau gosse. Comment tu vas? Ça va aller, ma chérie. Tout ce que je veux, c'est que tu quittes cet endroit. Cet endroit n'est pas bon pour toi et ton bébé. Hein? Ça va aller. C'est bon, arrête de pleurer, hein? Que fais-tu ici? Bonjour, monsieur. Que fais-tu ici? Moi? J'étais juste de passage, voilà, je passais. Je passe, monsieur. Alors continuez à arrêter de regarder ma maison. Pardon, monsieur. Viens ici. Prends ça, il va acheter quelque chose pour toi-même. Merci, monsieur. Allons-y.
Comment quelqu'un peut se débarrasser de son bébé avec autant de négligence? Je ne sais pas. Attendez une minute. C'est mon collier d'or? Il porte mon collier d'or. Quoi? Attends. Que se passe-t-il ici? Kenita! Mais c'est pour toi! Pour qui? Que se passe-t-il ici? Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici? Sainte, dois-tu le toucher? Mon fils. Mon fils. Bêtise. Chérie, appelle la police maintenant et remets-leur le bébé. Tout de suite. Personne ne touchera mon fils. Mon fils. Merci. 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 Viens ici. Lentement. Viens. Oui, Yoga. Nettoie-le, nettoie-le, nettoie-le. Nettoie-le. Hein, Yoga, où sont ces autres habits? Je sais pas, mais il doit y avoir une dans le panier qu'il est venu avec. Hein, ok. Vas-y, vas-y, va le laver. Je fais vite. Le caca des bébés sans? Allez, donne-le-moi. Comme ça, tu vas rentrer travailler. Te donner quoi? Retourne cet enfant. Chérie, retourne cet enfant. Pourquoi? C'est notre petit-fils. Je vois que tu es devenue folle. Non, annonce au monde entier avec le mégaphone que ton imbécile de fils a un enfant sans faire le mariage. Ou as-tu oublié qui tu es? Hein? Une assistante du diacre. Une femme leader de l'église. Ah, ah, chérie, est-ce un problème? Oui, c'est important pour moi, Obiegeli. C'est ce qui m'importe le plus. Ton imbécile de fils a compromis ma carrière politique. Merci, enlève cet enfant. Emmène-le maintenant. Ah, allez, chérie, calme-toi. Emmenez qui? Emmenez qui? Donne-le-moi. Personne ne touchera mon fils. Personne ne touchera mon fils. Et toi, où est son habit? Oga, allez Oga, j'ai étalé ça sur le fil. Je te parle-tu encore, sis? Allez, lève-toi. Où sont ces habits? C'est sur le fil. Es-tu sourd? Sainte, débarrasse-toi de cet enfant. Cet enfant est mien et c'est moi qui détermine ce qui lui arrive. Il est sous ma garde maintenant. Pas dans cette maison. Sainte, pas dans cette maison. Tu veux ruiner tout ce pour quoi j'ai travaillé? C'est tout ce qui compte pour toi. Tout pour lequel tu as œuvré. Ta position, ton siège, tes aspirations politiques, c'est tout ce qui compte pour toi. Et un enfant innocent. Et par rapport à ton petit-fils, la politique au-dessus de ton fils, tu m'as tellement déçu.
Ne discute pas avec mon Sainte. Fais ce que je dis. Sainte, s'il te plaît, reste docile. N'énerve pas ton père. Bien, je suis désolé de te décevoir. Je choisirai mes prémices au-dessus de toutes choses dans ce monde. Y compris toi. Jamais. Pas dans cette maison. Sainte, pas dans cette maison. Sainte, je vais te renier. Sainte, je vais te renier. Tu joues avec le feu. Je vais te faire arrêter pour kidnapping. Attends, tu verras. Allez, chérie, va doucement avec ça. Hein? C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Ah! Mais qu'est-ce qui le prend? Mère, je suis désolé, mère. Je pouvais avoir échoué en tant que fils. Mais je ne serai jamais en tant que père. Désolé si je ne l'ai pas fait comme tu l'as voulu. C'est la seule chose qui compte pour moi maintenant, mon fils. Gare, écoute-moi, laisse-moi te parler. À l'heure où je te parle, j'ai l'enfant avec moi. Bien sûr, j'ai vu mon portefeuille, mon collier d'or. Aucune adresse, seul le bébé. Gare, je te dis. Allez, gare, je te dis la vérité. Crois-moi. Je te rappelle. Hey, hey, big man, viens ici. Viens ici. Combien de fois dois-tu chier? Hey! Combien de fois dois-tu chier? Arrête de caquiller tes yeux me regarder. Combien de fois tu chies par jour? Fais-moi savoir à temps. Hey! Hey! Big man! Big man! Combien de fois tu chies par jour? Oh. Je dois faire avec. Hey, big man, big man, big man. Désolé, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Hey, big man, ça va? Maintenant tu sens bon. Je ne suis plus. Dis ça, je ne suis plus. Tu ne veux pas le dire, n'est-ce pas? Chie encore, tu verras ce que je vais te faire. Hey, big man. D'accord, c'est le moment de t'habiller. Tu vas le gérer jusqu'à ce que je t'achète tes habits, ok? Hein? Ah, c'est gros sur toi, mais... Ah. Hein? Oh, mon Dieu! Mon nouveau débardeur! Pourquoi tu as acheté dedans? Ok, désolé d'avoir crié sur toi, désolé d'avoir crié sur toi, ok? Tu peux l'avoir. Waouh. Attends, tu essaies de me dire que tu as un bébé dont tu dois t'occuper? Mon frère, à l'heure où nous parlons, je suis toujours choqué. Waouh! Et tu n'as pas retrouvé la fille? Pas du tout. J'ai retrouvé mon bijou et mon portefeuille, mais plus d'argent dedans. Je pense qu'elle a utilisé cet argent pour ses besoins ou quoi que ce soit. Que vas-tu faire alors? Je sais bien que ton père n'acceptera pas une telle chose. Mon père a demandé à ma mère de rendre l'enfant à la police. Mon frère, je suis confus.
Bien. Il faut vraiment que je te donne un conseil. Je dirais, premièrement, va faire le test ADN pour confirmer la paternité. Et si l'enfant t'appartient réellement, tiens donc, sois juste son père. Écoute, ce n'est pas à tout moment qu'on retrouve une bénédiction. Prends soin de ton fils. Regarde la façon dont tu le dis. L'on penserait que c'est facile. Je sais. Mais merci pour tes gentils mots. Merci. Oh, la paternité ne sera pas une mauvaise idée. Tu vois, quelquefois quand je regarde mon père, j'ai toujours voulu quelque chose pour mon fils. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais essayer la paternité. On verra ce que ça va donner. Mais au cas où je manque de quelque chose, j'espère que je suis libre pour venir demander. Ce n'est pas du tout un problème. Si tu n'as pas d'argent, tu as au moins des amis. Tu ne changes pas, hein, toi. Tu vas me déposer, n'est-ce pas? Cet enfant ne veut pas dormir. Hé! Hé, 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 hé! Viens ici et dors. T'as juste demandé de dormir. Dors! Dors! Reste ici et dors. C'est quoi, que veut dire ça? C'est quoi ça? Que veut dire ça? Que veut dire ça? Hé, hey, tu ne vas aller nulle part. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Reste là. Ok, 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 c'est bon. Tu veux qu'on pleure, non? Pleurons. Pleure, non? Je vais quitter ta maison. Quitte ma maison. Ta maison. Est-ce que toi tu as jeté ton fils? Pourquoi vais-je jeter mon fils? Ne provoque pas. Quitte. Où penses-tu aller avec ma clé? Donne-moi ça. Donne-moi la clé de ma voiture. Donne-moi la clé. J'ai acheté toutes les voitures de cette maison avec l'argent issu de la sueur de mon front. Donc tu ne quittes pas avec ma voiture. Sors de cette maison. Comme tu as poussé des ailes et refuse de me respecter, sors avec ce bâtard. Sors de ma maison. Humilie-toi devant ton père. Non, je ne le ferai pas. Quoi? Je partirai. Je te promets une chose, tu vas regretter cette action. Marque mes mots, tu vas le regretter. Sors de ma maison avec ce bâtard. Tu le vois? Tu le vois? Non. Quitte ma maison avec ce bâtard. Et toi, reviens ici. Va me préparer à manger. Va me préparer à manger. Chérie, ce n'est pas juste. Que je te vois revenir dans cette maison. Anoumano. Si tu es garçon, ose voir. Bêtise. Alors, ça, c'est pour toi. Profite de la maison, ok? Ah,
Mon frère, je ne sais par où commencer. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Honnêtement, les mots ne sont pas assez. Que ferais-je sans toi? Merci. Merci, merci beaucoup. Je t'en prie, tu es mon pote, non? Ok. Tout ce que je veux que tu fasses est d'être installé. Tiens donc, tu dois t'installer et trouver un emploi, ok? Je sais qu'au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. Bien sûr, bien sûr, les choses vont certainement s'améliorer. Certainement, j'aurai un travail et j'assumerai mes responsabilités. Comme tu le vois, j'en ai une déjà. Ouais, c'est vrai. Hé bébé. Le père du garçon. Il a même pas de cheveux. Bien. Merci. C'est bon. Merci. Ce n'est pas du tout grave. Tiens merci. Donc. Merci. Tu n'as aucune idée. Tu viens de me donner un toit comme ça. Je comprends. Merci. Mais ça va, ok. Merci bon, beaucoup. Moi, je m'en vais. Bien sûr, on garde contact. Je t'appellerai. Je t'appellerai, d'accord? Je t'appellerai. Très bien, mec. Merci. Eh ben. Hé. Hé. Regarde, regarde. Hé. Big man, hey, sois gentil, hey, respecte-toi, sois gentil, hey, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, hey. Ah, Big man. Hein? Pourquoi ne veux-tu plus? Pourquoi ne veux-tu plus? Grand-mère est là. Ah, bienvenue, mère. Oh, mon fils. Bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien, mère. Regarde la grand-mère. Bonjour, monsieur. Salut, comment tu vas? Bien. Comment tu vas, mère? Ça va, et toi? La faim. La faim? C'est ça, mère. Désolé. Ok, ça va. J'ai amené la nourriture pour toi, hein, et quelques trucs qui vont t'aider. Hein. Mais ça va nous aider à prendre ça. Elle va t'aider à nettoyer la maison et rentrer à la maison sans que ton père ne sache. Merci, mère. Merci, mère. Merci. Oh, tu es la mère la meilleure dans le monde. Merci. Merci. Merci, mère. Merci. J'ai sorti toute cette histoire dans la voiture. Ok, maman. Allons à l'intérieur, mère. Big man, c'est le moment de t'habiller pour qu'on aille au travail, ok? Big man, allez, envoie la main. Ouais, bon garçon. Ça dit, cette chemise peut parler pour toi? Ah, Big man,
tu manges beaucoup ces jours. Cette vie ne te va plus. Attends, je vais t'en trouver un autre. Une minute. Ce garçon, ça supprime que cette vie ne te va plus, hein? Vraiment, allez, viens. Assieds-toi. Juste une minute. J'arrive. Je prie que ceci aille pour toi. D'accord, Big Man. Essayons ceci. Boum. Tu peux partir ceci, ok? Hey, Big Man. Hey, Big Man. Oh, attends. Va. Ok, lève-toi. Tu prends vraiment du poids ces derniers jours. Big Man. Hey. Assieds-toi un peu. Tu dois attendre. Lève-toi encore. Big Man. Big Man, attends. Attends. Ok, viens maintenant. Big Man, sois gentil. Attends. Maintenant, mets ta main. Ça va, non? Attends. Hey, Big Man. C'est ça, Big Man. Maintenant, c'est les chaussures. Porte les chaussures. Chaque fois que tu portes tes chaussures, assure-toi que tu les portes bien. Tu m'as entendu? Ça va comme ça? Ouais, tu regardes bien, non? Allons-y, regarde. Big Man, tu regardes? Hein? Et puis, on passe le second. Deux, tu vois? C'est bon? Alors, Big Man, viens, prêt pour le travail. Ah! T'as l'air très mignon. Donne papa 5. D'accord, on est prêt. On va partir. Hey, Big Man, on y va. Ça va, je vais juste prendre quelque chose. Attendez, je reviens dans 5 minutes. S'il te plaît, descends. Qu'est-ce que tu fais? Tu pèses avec tous tes bagages là. Il n'y a même pas moyen de tourner. Ah.
ensemble là. Hey. Désolé. À qui appartient le bébé? Ah, c'est mon bébé, mon fils. Et alors sa mère? C'est une longue histoire. Elle a abandonné le bébé avec moi et depuis là, c'est moi seul qui prends soin de l'enfant. Oh, c'est étonnant. Je savais pas qu'on avait des cas comme ça dans ces pays. Ah. Mais alors, comment comptez-vous travailler avec nous? Vous avez dit que vous êtes le seul à prendre soin de ces bébés. Vous allez faire comment? Oh, mon fils et moi avons une bonne relation et on s'entend bien. Ça ne va pas être un problème. Je travaillerai effectivement, je vous promets. Je délivrerai le travail, monsieur. Oui, monsieur. Oh, ça sent mauvais. Ah, monsieur. Ah, désolé, monsieur, je viens juste de chier. Je vais aller vite changer ces couches à l'extérieur. Ça ne va pas durer. Et je viendrai pour l'interview. Allez, on va continuer prochainement. Allez. Monsieur, il a juste chié. C'est le caca du bébé. Vous devez... Partez, mais je dois respirer. Partez. Désolé, monsieur, ne le voyez pas comme ça. C'est juste un bébé, il ne connaît rien. Et il a juste chié. C'est mon garçon, c'est juste le caca du bébé. J'ai dit dégagez. D'accord. Puis-je le déposer, revenir pour l'interview? Partez, je dois respirer. C'est quoi ça? J'ai oublié quelque chose, monsieur. Je reviendrai, monsieur. C'est quoi ça vraiment? Monsieur, hein? Ah, mais c'est pas ton enfant là. Viens le prendre, non, c'est quoi? Désolé, j'ai oublié. C'est mon bébé. Prends-le, c'est ton bébé. Est-ce mon bébé? C'est comme ça que vous créez des problèmes aux gens. Et les gens vont dire que j'ai volé l'enfant d'autrui. J'espère que c'est ton bébé, hein. Désolé, monsieur, désolé. Tu l'as pas volé, j'espère. C'est comme ça que vous créez des troubles aux gens. Avec ma petite moto que j'ai là, tu veux me créer des problèmes? Faut plus refaire ça, idiot. Regarde sa tête. Je dois partir. Choses ne s'améliorent pas. Prendre soin de cet enfant sans travail est la chose la plus difficile que j'ai jamais traversée. Mère, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, mère. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. Je souffre, mère, je souffre. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. Merci, mère. Merci, mère.
Hey big man. Papa t'aime, tu le sais, n'est-ce pas? Tu le sais bien, n'est-ce pas? Quand je dis hey big man, tu réponds oui papa. D'accord? Hey big man, tu réponds oui papa. Allô? Allô? Ouais, allô? Est-ce que je parle avec Monsieur Saint Ibechi? Ouais, vous parlez à Monsieur Saint Ibechi. En quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? Ok, Monsieur Saint, préparez-vous pour commencer le travail ce lundi. Un contrat est envoyé dans votre adresse email. Ah. Oh mon Dieu! J'ai obtenu le travail? Oui, vous êtes retenu. Merci, monsieur. Merci, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci. Monsieur, que je commence lundi? Oui, exactement. Vous commencez ce lundi. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci. Je promets que je serai ponctuel. Je serai là lundi très tôt. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Merci. De rien, prenez soin. Merci. Que je vous bénisse, monsieur. Tu vois, je t'ai dit que tu as une bénédiction pour moi. Mais tu n'as pas écouté. Là, tu vois, papa a obtenu un travail. Papa a obtenu un travail. Maintenant, que veux-tu qu'on fasse? Où veux-tu qu'on aille? N'importe où? Big man. Big man. Parle-moi. Hein? Où veux-tu qu'on aille? Oh mon Dieu, merci, merci. J'ai obtenu un travail. Est-ce que je m'adresse au directeur général de la société A2Z? Bien. C'est Monsieur Nelson Ibedi à l'appareil. Je vous appelle par respect pour le jeune homme que votre société a donné un poste sur l'influence de ma femme. Ce jeune homme qui s'appelle Saint Ibedi. Oui. Je veux m'exclure moi-même et exclure le nom de ma famille, de toute affaire que vous avez avec ce jeune homme. Je ne suis pas inclus. Je ne suis pas inclus. Sachez donc que vous le faites à vos risques et périls. D'accord? Bien. Passez une bonne journée. Je vais voir comment il peut survivre sans son père. Bêtise. Salut, monsieur. Ah, bonjour. J'ai laissé mon fils à la réception vu ce qui s'était passé la dernière fois. Je ne voudrais pas que ça se répète encore. Alors, je suis prêt pour le travail. Monsieur Saint. Oui, monsieur. Ça, c'est pour vous. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Ah, vous savez, c'est pas facile d'être un père. Vous voyez? Ah, ah. Monsieur, j'ai pas compris. Je suis désolé.
Monsieur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai laissé mon bébé à la réception, considérant ce qui s'est passé la dernière fois. Je l'ai laissé dehors. Pourquoi ne pas m'offrir l'emploi? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette lettre est venue de la direction générale. Monsieur, vous ne pouvez pas dire que cette lettre est venue de la direction générale. C'est ce que j'ai passé l'interview. Je n'étais pas allé à la direction générale. Monsieur, vous devez m'offrir cet emploi. J'ai un fils. Et comprenez-moi, comment prendrai-je soin de lui? J'ai besoin de cet emploi. Même si ce n'est pas parce que j'ai demandé, donnez-moi un autre emploi. Et même si la sécurité, pas de problème. Et donnez-moi, j'ai besoin de l'argent, monsieur. Écoutez, vous n'avez même pas à dire tout ça. Il n'y a rien que je puisse faire. Mes mains sont liées. Monsieur, vos mains ne sont pas liées. Déliez-les. Vos mains ne sont pas liées. Donnez-moi cet emploi. J'en ai besoin. J'ai un fils. J'ai envie dont j'apprends soin. Vous êtes un homme comme moi. Donnez-moi ce travail, s'il vous plaît. Big Man n'a rien mangé, s'il vous plaît. Il me faut ce job. Offrez-moi ce job, s'il vous plaît. J'aurais voulu faire quelque chose pour toi. Malheureusement, je ne peux pas. Je suis désolé. Vous devez partir maintenant. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Mes mains sont liées. Il n'y a rien que je puisse faire. On n'a pas eu le temps de parler en tant que père et fils. Mais je suis sûr que tu sais que je t'aime beaucoup. Je ne sais pas jusqu'à quand attendre. J'ai pas d'emploi. Alors comment vais-je prendre soin de toi? J'ai essayé. Je sais que tu es au courant que j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux pour trouver de l'emploi, pour pouvoir prendre soin de toi. Mais plus j'essaie, plus j'échoue.
Tu dois me pardonner. Tu dois me pardonner. Je suis désolé. Je suis désolé, Big Man. Bien, s'il faut vraiment que je te donne un conseil, je dirais premièrement, va faire le test ADN pour confirmer la paternité. Et si l'enfant t'appartient réellement, tiens donc, sois juste son père. Écoute, ce n'est pas à tout moment qu'on retrouve une bénédiction. Prends soin de ton fils. Regarde la façon dont tu le dis, l'on penserait que c'est facile. Je sais. Mais merci pour tes gentils mots, merci. Oh, la paternité ne sera pas une mauvaise idée. Tu vois, quelquefois quand je regarde mon père, j'ai toujours voulu quelque chose pour mon fils. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais essayer la paternité. On verra ce que ça va donner. Mais au cas où je manque de quelque chose, j'espère que je suis libre pour venir demander. Ce n'est pas du tout. Si tu n'as pas d'argent, tu as au moins des amis. Ah, mais c'est pas ton enfant là. Ah. Viens le prendre, non, c'est quoi? Désolé, j'ai oublié. C'est mon bébé. Prends-le, c'est ton bébé. Est-ce mon bébé? C'est comme ça que vous créez des problèmes aux gens. Et les gens vont dire que j'ai volé l'enfant d'autrui. J'espère que c'est ton bébé, hein? Désolé, monsieur, désolé. Non. Non. Big Man, non, non, Big Man, Big Man, Big Man. Big Man. Où est mon bébé? Où est mon bébé? Big Man, Big Man, Big Man. Il est où? Où est mon bébé? Où est Big Man? Tu es où? Big Man, tu es où? Big Man, Big Man. Qui a pris mon bébé? Qui a pris mon bébé? Big Man! Big Man! Qui a pris mon bébé? Big Man! 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 Oh mon Dieu! Big Man! Big Man! Big Man! Looking for him? Big Man! Oh, Big Man! Big Man! Big Man! Big Man! S'il te plaît, laisse-moi voir mon enfant. Je le cherche partout, s'il te plaît. S'il te plaît, je... Où es-tu, vois? Donne-le-moi, s'il te plaît. Non. Non. Pourquoi tu l'as abandonné? Pourquoi? C'est le long qui soit, s'il te plaît. C'était sous l'effet de la frustration. Laisse-moi voir mon enfant, s'il te plaît. Non. Pas tant que tu m'aies promis de ne plus l'abandonner à cause de la frustration. Je promets.
Je jure tout ce que je sais et connais que je ne vais plus abandonner Big Man. S'il te plaît, donne-moi mon enfant. S'il te plaît. Comment s'appelle-t-il? Son nom, je l'appelle Big Man. Je ne lui ai pas donné un autre nom que Big Man. Et où est sa mère? Comme je te l'avais dit, c'est une longue histoire. Si sa mère était là, les choses auraient été mieux. Ok. Alors, est-ce que tu veux du nourrice? Bien sûr. Bien sûr, j'aurais besoin d'une nounou. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce regard triste? Aussi longtemps que j'ai besoin d'une nounou, je ne pourrai pas supporter. Ne t'en fais pas. Moi, je le ferai gratuitement. Tu travaillerais pour moi gratuitement? Oui. Donc, où est ta maison? Je n'habite pas ici. Ma maison est très loin d'ici. Ça va aller. Allons-y. Et toi? Moi je vais juste ici. N'aie pas peur. Tout le monde ici me connaît. Mon nom est Kachi. Ton visage m'est familier. C'est comme si je t'avais vu avant. On s'est une fois rencontrés? Non, je ne pense pas. Oh, peut-être que tu m'as acheté quelque chose à ma boutique. Oui. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. On peut partir maintenant? S'il te plaît, puis-je avoir mon fils? Bien sûr. Ah. Big Man, tu m'as manqué. Tu sais que tu m'as aussi manqué, n'est-ce pas? Je t'aime, Big Man, et je promets de ne plus jamais, jamais t'abandonner. Je ne vais plus jamais t'abandonner. Je t'aime, Big Man. Ah, pardon. Lucie, tu es en train de faire le make-up. Je ne retrouve plus Kachi. Je cherchais partout. Donc tu te rappelles encore de son nom? On ne sait pas où elle est. Ça ne te dérange même pas? Ah, pardon, laisse-moi souffler. Kachi ici, Kachi là-bas, Kachi, 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 Kachi. Qu'est-ce qu'il y a même? Cette Kachi n'a pas ensorcelé. Tchou, pardon, va me laisser avec ça. Moi, je me concentre sur comment faire évoluer mes affaires. Je vais aller nulle part. Je vais chercher Kachi partout, jusqu'à ce que je la trouve. Retiens cela, je dois la retrouver. Ah, c'est quoi même? Va la trouver, madame l'enquêtrice. Quand tu vas la retrouver, on va t'offrir une médaille. Madame l'assistante de Jésus. Tu sais que dans l'église catholique, et ils font ce qu'on appelle la calorie, l'Elisa, la bibliothèque. Ta bouche là va te tuer un jour. C'est pour te rendre sainte. Tu seras sainte Bibi pour quand tu iras au ciel. Vraiment, tu n'es pas sérieuse. Je ne sais pas vivre avec les gens. Tout ceci ne te dit absolument rien.
Tu es en train de faire le make-up et attendre que quelqu'un vienne te chercher pour sortir. C'est la 15e fois que tu te maquilles. Ça n'a aucun sens. Pardon, va faire ça. Et tu ouvres aussi ta bouche pour me parler. Tu n'as même pas honte. Vraiment. Voilà, oh, ma chère, ça ce n'est rien. Je vais la retrouver. T'en fais pas. Okay. Tu es vraiment inutile. Toi, vraiment, tu m'étonnes. Qu'as-tu même t'as fait? Pourquoi tu te comportes comme ça? Ne t'en fais pas. Je vais prendre soin de lui. Promis? Je le promets. S'il te plaît, ne le laisse pas pleurer. C'est promis. Nourris-le bien. Et quand il est endormi, couche-le sur son ventre, d'accord? Je sais. Tu sais? Je veux dire, je sais comment prendre soin d'un bébé. T'en fais pas, ne m'enseigne pas mon job. Ah, d'accord. Je vais au travail, je vous verrai à mon retour. Très bien. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Big man. Big man. Alors, on se voit à mon retour. Bye. Oh, mon bébé. Oh. Oh, mon bébé. Tu m'as manqué, tu as beaucoup manqué à maman. Oh, bébé. Oh. Kachi. Monsieur? Tu as nettoyé toute la maison. Oui. Partout, c'était très sale. Je devais m'occuper du linge et des surfaces. Doucement. Ok, 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 prends. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Mais je vous en prie, monsieur. J'ai aussi préparé. T'as fait le déjeuner? Oui, monsieur. T'as nettoyé toute la maison et fait aussi le déjeuner? Ben oui. Que dirais-je d'autre? Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Hey, big man. Il aime l'eau comme ça. Hey, prends. Je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je vous en prie, monsieur. Prends. Hé, hey, Big Man, viens ici. Il aime beaucoup. Ah, tu ne connais même pas ce garçon. Hé, hey, Big Man, tu as manqué papa. Ah, ah, ah. Papa est là maintenant. Hein. Ouais, merci beaucoup. Oh, ça va, monsieur. C'est pas grand-chose. Thank you.
Bonjour. Bonjour. Tu es déjà réveillé? Oui. Comment va Big Man? Il est éveillé. Big Man. Ah, le petit déjeuner servi. Le petit déjeuner servi? Oui. Il n'avait rien dans cette maison et je ne me souviens pas t'avoir donné de l'argent, mais comment? Tu t'inquiètes beaucoup trop. Bien sûr, je dois m'inquiéter. Comment? Pardon, va t'asseoir, prends ton déjeuner. Ok. J'ai utilisé mon argent. Mais tu pourras me rembourser quand tu auras un boulot. Tout ce qui compte pour moi, c'est que tu trouves un boulot. Ah, merci. Je promets que je trouverai de l'emploi le plus tôt que possible. Alors, comment va Big Man? Ok, on va aller à la salle à manger. D'accord. On y va à la salle à manger. J'ai. Maintenant béni. Dieu m'a béni. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, regarde, j'ai eu un emploi et une voiture officielle. Ça, c'est ma voiture. Ça, c'est ma voiture. Quoi? Oh mon Dieu! Ouais, regarde là, regarde ça. Oh mon Dieu! 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 Oh non, 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 non! C'est pas vrai! Regarde! Merci Seigneur! Je suis tellement contente! Pour ah, toi. Vraiment! Bébé, bébé, ton papa a trouvé du travail. Dis-moi ce que tu veux, je l'achèterai pour toi. Ah, wow. Non. Comment vais-tu bon remercier? Comment vais-tu remercier? Merci pour ton soutien. Oh, c'est Dieu. Oh, merci. C'est pas moi. Ah, tu sais quoi? Pourquoi ne pas aller quelque part pour nous amuser? Hey. Allons mais célébrer. J'espère que c'est pas question d'aller dans un club. Non, 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 non. Nous n'irons que dans un restaurant. Ok, ça marche, alors allons-y. Mon bébé, papa, il a eu un boulot. On peut l'habiller comme ça? Non, nous irons nous changer d'abord. Okay. Ah. Mon bébé. Tu es une bénédiction pour moi. Merci, merci.
ça va? Quoi de neuf? Tu ne peux pas croire ce que j'ai vu aujourd'hui. Y'a quoi? J'ai vu Cathy. Sans blague? Cette meuf n'est pas morte? Tu es folle! Comment tu peux souhaiter la mort de quelqu'un? Tu n'es pas inhumain ou quoi? Bien. Elle habite maintenant avec le père de son enfant. Mensonge. C'est sérieux, oh. Je les ai vus de mes propres yeux. Je crois qu'ils vivent maintenant en couple. Mais la façon dont Cathy était, bon, elle n'était pas vraiment habillée bien, mais elle portait son bébé. Hein? Tu sais, ça m'a vraiment choquée. Vas-y, continue. On dirait qu'elle était la bonne, du fils de milliardaire. Ah! C'est quel problème? Tu sais, ça m'a travaillé, hein. Au juste, où les as-tu vus? C'était au numéro 2 de l'avenue Maketi, oui, c'est là. Numéro 2, avenue Saint-Michel. Un problème? Non, juste que... Elle est devenue raisonnable. Quand je lui conseille de travailler, elle a choisi de devenir femme de ménage. Ma chérie. Mais vraiment, l'enfant là, elle aime la souffrance, hein? Toi, hein? Toi avec ta bouche. Bien, c'est son destin, juste. Au moins, je suis contente pour elle. Ça, c'est la plus importante des choses maintenant. Mon ami, je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais aller me rafraîchir maintenant. Ok. Allez, on peut aller te rafraîchir. À plus tard. Je vais me rafraîchir. Attendez. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Cathy, on est plus sûrs, toi et moi. S'il te plaît, retourne d'où je ne sais où tu viens. Pitié. Excusez, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ça? Oh, personne. Bonjour, monsieur. Oh, je suis la grande sœur de Cathy. Bienvenue. Cathy, tu ne m'as pas dit que tu as une grande sœur? Eh bien, ça c'est parce que je n'ai pas de sœur. Monsieur, le truc c'est que c'est pas que nous sommes des sœurs de sang, vous voyez. Mais je la considère comme ma petite sœur. C'est moi qui l'ai emmenée dans cette ville, à la recherche de mes... De toute la façon, tu es la bienvenue. Tu peux entrer, hein. Cathy, donne-lui quelque chose à boire. Donne-lui du rafraîchissement, s'il te plaît. Par ici, s'il te plaît. Offre-moi à boire. J'ai soif, j'ai faim. S'il te plaît, par ici. De rien. Par ici. Attends, c'est moi qui te conduis. C'est pas un problème. C'est mon papa, Cathy. Allez. Je vais le coucher. Cathy. M'ignore.
Oh, dans mes bras. Ta sœur et moi étaient sorties pour boire et elle est devenue saoule. Je ne savais pas qu'elle est si fragile. Ne l'écoute pas, je vais bien. Je peux de... C'est pas un problème. Oh, bébé. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui ne va pas, Kachi? C'est pas grave. Kachi ne m'a jamais vraiment aimé. Mais ça va aller. Attends, Kachi. Il paraît que ta sœur ne te plaît pas. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que tu es en train de me cacher? Monsieur, c'est pas que je ne l'aime pas. C'est juste sa façon de se saouler. Je suis désolé. C'est moi que tu dois blâmer. Je lui donnerai plus de la liqueur à boire. Y a pas de souci, monsieur. La table est prête. La nourriture est prête? Oui, monsieur. Merci. Pas de quoi. Des sœurs. Que je souhaite en avoir une. À la boniche. Arrête-moi ça. Que ce soit ta dernière fois de m'appeler comme ça. T'as appris à parler maintenant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis ici parce que tu me manques. Je suis venue te voir. Je ne te manque pas. Je suis sérieuse. Oh. Sérieusement. Donc, tu me poses vraiment cette question? Oui. Parce que je veux comprendre pourquoi est-ce que soudainement, tu apparais chez moi. Quelle question? Donc, toi, tu ne sais pas que ça, c'est un gros poisson. C'est évident que je suis venue ici pour taffer. Lucie, s'il te plaît, ne viens pas perturber la paix qu'il y a dans cette maison. Mon fils a finalement trouvé un foyer offert grâce à Dieu par ses deux parents. Viens pas lui cacher ça. Oh. Et qui est-ce qui a dit que je t'ai venu cacher quoi que ce soit? Allez, regarde-toi. Tu penses que je ne connais pas tes plans? Ouais. Tu joues le rôle de la bonne fille. Comme ça, Sainte. Ouais, Sainte, il va t'épouser, c'est ça. Malheureusement, je suis sûre qu'il ne sait pas que toi, tu es la mère de son fils. Ferme-la, Lucie. Écoute, moi je suis ici pour mon fils. Mon fils seulement. Ah, Kachi, Kachi. Tu fais une bonne narratrice de bobard. On va voir les choses autrement. Comme toi, t'es là pour ton fils. Je veux dire, pourquoi tu te focalises pas que sur ton fils? Pendant que moi, je me focalise sur ma cible, Sainte, tu vois. Regarde-toi, vous ne faites même pas un beau match. Eh bien, si tu ne le sais pas, Sainte, il est un homme bien. Et toi, tu ne le mérites pas.
Je n'ose même pas imaginer que mon fils puisse t'avoir, toi, comme belle-mère. Alors, va loin d'ici. Regarde-moi ta bouche. Qu'est-ce que tu dis même? Oh, Seigneur. Ok. Faut me mettre à la porte. Mets-moi à la porte, non? Allez, ma cocotte, assieds-toi et mate-moi faire mon job. Ignora. Je t'en empêcherai. En Paris. Attrape-moi si tu peux. À l'écoute, parle. Monsieur, c'est concernant ma sœur. Je ne veux pas que vous fassiez des choses ensemble. Qui dit que j'ai quelque chose à faire avec ta sœur? Pourquoi tu demandes? Parce que moi, je la connais. Et... je crois qu'elle craque sur toi. Et vu comment elle sait se comporter, elle va te séduire très bientôt. Je voulais juste que tu sois averti. Et toi, est-ce que je te... plais? Ne te prends pas trop la tête. Tout ce qui m'intéresse, c'est de te protéger. Et qu'aucun danger n'affecte ton fils. Je vois. D'accord. Je te promets que je n'aurai rien à faire avec ta sœur. Ok. Merci beaucoup. Ça va. Bonne nuit. D'accord. En quoi ça te concerne? Hein? Est-ce qu'il est marié à Kachi? Hein? Au cas où t'aurais oublié, c'est chacun qui se démerde. C'est ça la rue d'où on vient. Je te l'avais dit. Reste loin de Kachi, Lucie. Reste... N'as-tu même pas honte de toi-même? La même fille que tu as chassée dans la rue et tu commences à courir derrière son homme. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? L'homme de qui son homme mon œil? C'est pas toi qui avais dit qu'elle était sa boniche? Hein? Maintenant c'est son homme. Ma chère, elle est sa boniche au... Tant que je suis intéressée, je ferai ce que je veux comme je veux. Lucie n'a peur de personne. Et quant à cette meuf, elle serait mieux d'être prête. Parce que la bataille vient de commencer. Vraiment? Pardon, bouge que je mette les chaussures. Regardez-moi cette fille, tu es folle ou quoi? C'est parce que j'ai manqué pour toi quand tu fais tes histoires que tu donnes les kilos de me pousser comme ça. Tu t'estimes beaucoup, hein, Lucie. Tu es moindre devant moi. Je t'avertis, reste loin de Kachi. Reste loin de Kachi. Reste loin de Kachi. Comporte-toi en grande personne. Tu es vraiment une honte. Je te parle, tu es en train de m'ignorer, c'est ça? Ok, même si tu sors, tu reviendras ici. Thank you.
m'excuse, mais il faut que j'entre. Entrez pour aller où? Allez, mon ami, rentre d'où tu viens. Écoute, Kachi, tu vois, aujourd'hui, je suis venue prête pour toi. Si tu te comportes mal, je vais te refaire le portrait, tu vas rien comprendre. Oh, pardon, dégage! Dégage! Kachi, bouge et laisse-moi passer. Il y a un truc qui va pas dans ta tête. Oh, tu es malade? Est-ce que tu es malade? C'est quoi, parce que je garde silence devant toi? Hein? Donc tu penses que tu peux me manquer de respect? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu n'es que née. Donc tu m'as giflé? Non, je t'ai dévissé. Tu m'as giflé, Lucie? Je rêve. Si tu savais ce que je te réservais, tu vas voir. Tu vois ce glamour à toi? Aujourd'hui, je vais t'enseigner une grande leçon. Mets ton bébé au sol. Mon Dieu! Mon Dieu, non! Mon Dieu, mon bébé! Mon enfant! Mon Dieu! Tu l'as blessé, putain! Mais qu'est-ce que t'as fait? Provoque-moi encore! Tu vas voir, ça sera pire! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! Donne-le-moi! Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a fait ça? Qui l'a fait? Il a essayé de nous baisser, ton bébé! Et moi? Quoi? Pourquoi tu es si méchante? Donne-moi la clé de ma voiture! Je dis, donne-moi la clé de ma voiture! Oh, de ma voix! Big Man! Big Man, désolé! Désolé! Donne-moi la clé de ma voiture! Tout de suite! J'arrive! J'arrive! Donne-le-moi! Donne-le-moi, ouvre le portail! Ouvre le portail! Big Man, désolé, désolé, désolé! Désolé! Oh, monsieur Saint, croyez-moi, votre bébé a besoin de sang. Votre sang ne correspond pas avec celui de votre bébé. Vous devez faire quelque chose. Nous courons derrière le temps. Maman, je t'appelle. Oui, il y a urgence. Mon bébé a eu une blessure et le docteur a testé mon sang. Ce n'est pas compatible. Sainte, Sainte, je donne mon sang, c'est compatible. Oui. Moi, je donnais mon sang, il est compatible. Allons. Comment est-ce que tu es sûre? Oui, c'est compatible. Allons. Il va mieux. Le docteur a dit qu'il lui faut assez de repos parce qu'il nous a libérés immédiatement. Alors, c'était qui les donneurs? Ah,
la nounou. Quoi? Ça veut dire la même nourrice qui a mis mon petit-fils dans cet état? Mère, honnêtement, je suis confus. Je ne peux pas expliquer exactement ce qui s'est passé, mais j'irai à la racine de ce problème. Et où est-elle? Elle est dans sa chambre. Pourquoi tu ne l'as pas fait arrêter? Qu'est-ce qu'il reste encore faire ici? Hein? Sense, qu'est-ce qu'elle ne va pas avec mère, toi? Mère, je veux faire une enquête minutieuse avant d'appeler la police. C'est ce que je dois faire. Ok, comme tu l'as dit, mais tu dois le faire aussitôt que possible. Ne lui laisse plus toucher encore ton enfant. Tu m'as entendu? Je t'ai entendu, mère. Très bien. Je serai plus méfiant maintenant. Où est mon fils? Où est-ce qu'il a peur? Où est mon fils? Où est ma femme? Mais c'est... Où est Kati et mon fils? Où sont-ils? Pourquoi tu les as enlevés? Qu'est-ce que tu prends? Pourquoi tu colles ton père comme ça? Hein? Tu vas bien? De quoi parles-tu? Tu n'as plus de respect. Reste pas ok pour toi. Toi, kidnappeur, donne-moi mon fils et sa mère. Remets-la-moi. Ton fils et sa mère? Kati et mon fils. C'est comme que tu appelles ton mari et les a enlevés. Remets-les. Et c'est son disparu. Pourquoi tu accuses ton père? Mère, pourquoi tu parles comme si tu ne connais pas ce méchant? Cet homme m'a privé de tout ce qui me rend heureux. Ma joie. Il a boycotté mon emploi. Mes contacts. Même ma carrière musicale. Toi, tu me l'as enlevé. Et tu veux encore me prouver de la seule chose qui me donne maintenant la joie? Où est mon fils? Où est sa mère? Ah, écoute-moi maintenant. Ton père peut être récalcitrant, oui, mais pas malin. Il ne peut pas les kidnapper. Pourquoi tu dis ça? Ça fait longtemps qu'elle m'a toujours menacé. J'étais allé chez le docteur de la famille, j'ai découvert que Kati est la mère de mon enfant. Et dès que j'ai quitté là-bas, je suis sûr que le docteur l'a appelé. Mais là, hein? Dis-moi, pourquoi tu as enlevé mon fils et sa mère? Mais là, dis-le-moi, toi, kidnappeur. Hein? Kati, la nounou? Ouais. Kati, la nounou, est la mère de mon enfant. Remets-les. Nelsie? Je ne sais pas de quoi il parle. Ça, c'est de la bêtise. Erreur. Je ne sais pas de quoi il parle. Où est-ce que tu penses que tu vas? Où est-ce que tu penses que tu vas? Prends-moi ma famille. Arrête pas comme ça. Donne-moi ma femme et mon fils. S'il te plaît, arrête. Remets-les-moi. Remets ma femme et mon fils. Calme-toi, s'il te plaît, pardon. Essaie de te calmer. Apaise-toi, hein. C'est ton père, après tout. Remets-moi ma femme et mon fils. Remets-moi ma femme et mon fils. Me calmer comment? On va s'y mettre. On va les chercher. Calme-toi, s'il te plaît, hein. N'agite pas. Je vous ai appelé, tous les deux, pour parler de ce problème d'enlèvement. Mais avant cela, je veux sincèrement te présenter mes excuses. Ma manière de raisonner a été bridée par tant d'ambition, de telle emprise que j'ai oublié que tu es ma chair et mon sang.
à cause de ma négligence et de mon égoïsme. Mon petit-fils a disparu. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les ramener. Je te le promets. Oui. Je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais à partir de cet instant, je vais m'occuper de cette affaire. Mon petit-fils et ma belle-fille doivent être retrouvés. Donnez-moi 48 heures. Ils seront retrouvés. Je te le promets. Je suis content que ça vienne de toi. Je sais que j'ai été un fils prodigue. Je t'avais manqué de respect dans beaucoup de domaines. Je t'avais manqué de regard. Et je te demande en ce moment, Père, je voulais juste quelque chose pour mon fils. C'était juste aux yeux de mon fils. Je suis désolé. Ça va. Pardonne-moi. Ça va. Je te le promets de le ramener, d'accord? S'il te plaît, fais revenir mon fils. Lève-toi, il va t'asseoir. Allez, lève-toi. Je veux mon fils. S'il te plaît, fais revenir mon fils. Mon fils et sa mère. Ça va, je te le promets. Je veux mon fils revienne. Crois-moi. Je veux que mon fils revienne. Je veux mon fils et sa mère. Je veux mon fils et ma femme. Ils ont été retrouvés? Où? Où? Merci Jésus. À Saba. À Bosakewea. Je ne vais pas te retirer ton bébé. Non, je sais que c'est ton bébé. Je sais que c'est ton bébé, mais détends-toi. Je ne suis pas là pour vous blesser, toi et le bébé, mais je ne veux plus que tu sois la fille. Donc attends, tu peux l'avoir, mais juste attends, s'il te plaît. Et ton père, il va me tuer. Non, mon père ne va pas te tuer. Mon père t'a maintenant accepté, s'il te plaît. Pardon. Non. Ouais, je sais que c'est ton bébé. S'il te plaît, ne pars pas. Je veux chercher un peu partout, s'il te plaît. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Laisse-moi prendre soin de toi. Tu fais partie de ma vie maintenant. S'il te plaît. Rien ne va t'arriver, ok? Non! Aucun mal ne t'arrivera.
Okay.